بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المتتبعين لهذه الدروس عبر هذه القناة على اختلاف انواعها. مرحبا بكل المستفيدين من محتوى هذه القناة. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très 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 bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. La leçon d'aujourd'hui n'est pas comme les autres, ça veut dire qu'il n'est pas destiné aux élèves de l'enseignement primaire, mais c'est une leçon destinée aux professeurs, aux bacheliers ou bien ceux qui veulent passer l'examen, si vous voulez, des professeurs. Bon, il s'agit de la méthodologie de l'expression orale. Troisième année, enseignement fondamental. J'ai déjà présenté la première séance, la deuxième séance. J'ai déjà présenté la quatrième séance et la cinquième séance. Alors que j'ai oublié de vous présenter la troisième séance et la sixième séance. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième séance de l'expression orale, troisième année enseignement fondamental, et la sixième séance en même temps. Bon, soyez attentifs et suivez. Alors, expression orale, troisième année, enseignement primaire, fondamental, il s'agit de la troisième séance et la sixième séance, en même temps. Alors, on va commencer par la séance numéro 3, la séance 3, exploitation du lexique. Istighlal el-mouajib. Exploitation, ça veut dire exploiter le lexique. Premièrement, on va commencer par un rappel. Toujours, avant de commencer la leçon, il faut faire un rappel de la leçon précédente. Rappel. Rappel des personnages, du lieu, du temps et du thème. Pour tester, si vous voulez, les acquisitions des élèves. Est-ce qu'ils ont acquis les sciences avant, oui ou non? Ou bien il y a des lacunes qu'il faut remédier. Rappel du support, scène, dialogue, récit, conte, etc. par les apprenants. Par les apprenants. Avec l'aide du professeur. C'est-à-dire, on travaille en collaboration. Deuxièmement, après le rappel, on va faire un contrôle de la compréhension. Contrôle. Voilà, après, bien fait. Alors, le professeur, qu'est-ce qu'il fait? Il pose plusieurs questions. Je lui pose plusieurs questions, hein, pourquoi? Parce qu'il s'agit de la troisième session. Pose plusieurs questions pour vérifier le degré de compréhension des apprenants. Avec une question, avec deux questions, ce n'est pas suffisant pour vérifier le degré de compréhension. Il faut poser plusieurs questions. Varier les questions, hein, pour contrôler, si vous voulez, le degré d'acquisition de la compréhension des élèves. Troisièmement, exploitation lexicale. Alors, exploitation lexicale. Voilà la troisième partie. La première partie, le rappel. La deuxième partie, contrôle de la compréhension. Maintenant, exploitation lexicale. C'est ça l'objectif de la troisième séance. C'est ça l'objectif de la troisième séance. C'est l'exploitation lexicale. Alors, le professeur reprend le micro-dialogue. Il reprend. Ça veut dire, prend une deuxième fois le micro-dialogue. En insistant sur les répliques. Alors vous connaissez qu'un dialogue, il est composé de répliques. Hein? Il est composé de répliques qui contiennent le lexique à étudier. On voit bien cette phrase-là. Le professeur reprend le micro-dialogue, il reprend le micro-dialogue tout entier, mais en insistant, ça veut dire insister sur les répliques qui contiennent le lexique. Ça veut dire le lexique que le professeur va étudier, va présenter à ses élèves dans sa séance, il va insister sur les vers qui contiennent ce lexique à étudier. Présentation de la réplique avec le premier mot à étudier. Donc le mot, le lexique qu'il va présenter, il va répéter la réplique, présentation de la réplique qui contient le lexique à étudier. Ça veut dire le premier mot à étudier. Il faut répéter la réplique par les élèves.
pour présenter l'unique cycle dans cette réplique. Explication du mot, voilà. Je vais expliquer le mot, c'est un mot nouveau. Par simulation, par image, réutilisation dans un autre contexte. Réutiliser, ça veut dire utiliser une deuxième fois, hein, dans un autre contexte. Pour bien comprendre le mot dans son sens. Alors, dans un autre contexte, en exploitant d'autres associations. Ça veut dire on va exploiter d'autres associations. On va découvrir d'autres associations. On mot nouveau pour bien le comprendre et pour comprendre le sens de ce mot-là. Alors voilà, réutilisation dans un autre contexte. Réutiliser le lexique, le mot nouveau, dans un autre contexte. Il faut essayer en employant, en exploitant d'autres situations. Alors voilà, réutilisation dans un autre contexte, en exploitant d'autres situations. Un autre contexte, en exploitant d'autres situations d'apprentissage. Exploiter d'autres situations d'apprentissage par le professeur. Ensuite, par les élèves. Variation. Varier, hein? Variation en genre et en nombre. Le genre masculin féminin. Le nombre, le singulier ou bien plus. Variation en genre et nombre quand cela est possible. Réutilisation. Réutilisation dans d'autres phrases, toujours avec l'aide du professeur. Toujours le lexique qu'on va présenter. Pourquoi? Parce que la séance d'aujourd'hui a pour but le lexique. Réutilisation dans d'autres phrases, toujours avec l'aide du professeur. Le moussa'ala dit al-kussal. Dans d'autres phrases, toujours avec l'aide du professeur. Et des procédés. Il faut toujours utiliser les procédés pédagogiques, les images, le poster, hein, les personnages, etc. Le lieu, etc. Ce sont des procédés pédagogiques qui aident à la compréhension du mot, ou bien du contexte, ou bien du dialogue. Alors, grand 4, brassage, réinvestissement et vérification des acquisitions des apprenants. Alors ici, c'est un brassage. Hein, c'est un brassage et le réinvestissement et la vérification, ça comme le mot, ça s'appelle bien des apprenants. واش كسبو واش ما كسبوش وغنسالو واحد ما كرساش واحد ميلونج. Alors le professeur reprend toutes les situations exploitées. يعاود يخرجهم كلهم. يعاود يذكرهم بهذوك لي سيتياسيون. Pour l'explication et la réutilisation du lexique. هذاك لو لكسيك اللي بغينا نستعملو هي ان لكسيك نوفو. Ce sont trop faire des situations exploitées. Reprends toutes les situations exploitées, pour l'explication de quoi et la réutilisation de quoi du lexique et encourage les élèves à s'exprimer en faisant des phrases tout en les aidant par des questions, des gestes, des mimiques et en corrigeant leur prononciation. Toujours le professeur intérieur. Aider. Oralement, aider. Explication, aider par des images. Toujours il intervient. Cinquièmement, la dramatisation. Alors, la dramatisation, ça veut dire que les enfants vont jouer le rôle, vont jouer le dialogue, etc. Alors, le professeur demande aux apprenants de dramatiser le support. Sont dramatisés. Il a beau être d'ordiel avec le support. Du départ. Le support du départ, micro-dialogue, ou bien récit. Devant la caméra, ça veut dire qu'ils vont jouer leur rôle. Chacun va prendre son rôle. Un élève, une fille, etc. Hein? Donc, ils vont jouer leur rôle qui se trouve dans le micro-dialogue. Et voilà. Je passe à notre tableau.
voilà la fin de la troisième séance de l'expression orale. On a présenté toutes les étapes de la troisième séance. Maintenant, je vais passer à notre tableau pour vous présenter les étapes de la sixième séance. Pourquoi? Parce que la sixième séance, il n'y a pas beaucoup d'explications. Seulement, il s'agit d'un réinvestissement et de l'évaluation. Donc, attendez-moi. Alors bien, alors voilà la sixième, voilà, expression orale, sixième séance. Voilà pour troisième année. Alors j'ai déjà présenté la première séance, la deuxième séance, et j'ai présenté la quatrième séance et la cinquième séance, et j'ai oublié de vous présenter la troisième séance et la sixième séance. Alors maintenant j'ai présenté la troisième séance, et voilà maintenant la sixième séance. Alors il s'agit de réviser réinvestissement et l'estimation et évaluation du malaise clinique. Alors premièrement, toujours un rappel, l'enseignant rappelle rapidement le thème. Rapidement, il rappelle le thème. On a déjà présenté, on a fait toujours le rappel à chaque séance. Hein? Rapidement le rappel et les personnages et demande à quelques élèves de reprendre le dialogue. Toujours en commençant par le dialogue. Toujours. Ça veut dire que les élèves jouent le dialogue devant leur camarade. Rendez exploitation de la page du manuel. Alors ici, maintenant, on va passer au manuel pour exploiter la page du manuel. Vivre ensemble et s'exprimer. Alors ici, ça dépend du manuel. Hein. Il y a des différents manuels. Il y a parcours, il y a pour communiquer, il y a les apprentissages. Hein, ça dépend du manuel. Observation par les apprenants et identification. Donc nous avons observation. Et donc, l'identification des moulahada ou atirif par les apprenants du contenu, hein, les personnages, le contenu, les personnages, leur action, le lieu, encourager les élèves à décrire des situations proposées en veillant à favoriser l'autocorrection. Donc, voilà la fin de l'expression orale, voilà la sixième séance. Nous avons le réinvestissement. Le but de la sixième séance, c'est le réinvestissement et l'évaluation. Il y a un adressement ou un triumphant. On a le rappel du dialogue, du micro-dialogue, du récit, etc. Et on a l'exploitation de la page de manuel. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.